TV. La parole de Dieu chez vous. Je ne mourrai pas, c'est ce que la Bible a dit. Nous avons confessé en quoi? Si tu confesses que tu ne mourras pas réellement. Il y a beaucoup de choses qui meurent dans la vie d'un être humain. Un homme debout peut être vivant et des choses seront mortes en lui. L'utérus peut mourir. Les finances peuvent mourir. L'intelligence peut mourir. Le travail peut mourir. La grâce peut mourir. Beaucoup de choses qui peuvent vivre meurent. L'ennemi, il est habile et rusé. C'est les bonnes choses en toi qu'il tue. Ce qui est bien qui en toi, c'est ça lui il tue. Et quand il tue la chose, tu seras un cadavre ambulant. La raison pour laquelle la voix de la mort doit se taire, la vie qui est en nous, c'est ça qui fait taire la voix de la mort. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui et la voix de la mort est derrière leur vie. Jésus est porteur de vie. J'ai vu une veuve dans la Bible. La veuve de Naïm. Son mari est mort. La mort détruit dans son foyer. La mort détruit dans sa vie. Cette femme, le seul enfant qu'elle a est tombé et mourir. On l'a mis dans le cercueil, on allait l'enterrer. Écoutez-moi bien. Quand il y a un deuil dans une famille, ne l'oubliez jamais. Cela réjouit des gens. D'autres, cela leur fait pitié. Troisième catégorie de personnes, cela ne me concerne pas, je m'en fous. Et quand il va quelque part, ils entendent la voix derrière eux. Ils entendent la voix en eux. La voix dit tu mourras maintenant. Et si tu faisais un accident, comment tu vas mourir? Et si tu meurs, comment les gens vont pleurer? Tes enfants seront comment? Si tu meurs, qu'est-ce que ton mari fera? Cette voix donne d'aider quelqu'un maintenant. Et la peur de la mort, la peur de l'accident, la peur de mort, la peur de rester dans les noirs. La mort vient pour arrêter la vie. La vie de l'homme, la vie de l'homme est dans l'homme. Et l'homme se déplace avec. Le jour où la vie s'arrête dans ta vie, les pleurs viennent. En tout moment où la voix de la mort est derrière ta vie, tu vas faire des efforts. Tu vas travailler. Mais cela ne marchera pas. Tu auras des projets. Mais les projets ne vont pas s'accomplir. Tu vas désirer. Tu vas désirer de bonnes choses. Mais les choses ne seront pas bonnes. Parce que la voix de la mort, c'est la mort. Enfant de Dieu est porteur de vie. C'est pour cela que nous sommes la lumière et partout nous allons, la vie demeure là. Nous sommes porteurs de la vie. C'est pour cela si un organe meurt en toi, c'est que tu es malade. Tu es malade. Le jour où l'homme de Dieu t'impose la main, le jour où il déclare de sa bouche, tout ce qui est mort en toi reçoit la vie au nom de Jésus. Amen.
François s'est bédi. Ma voix tonne. À la trop François né. Tu sauras que c'est François qui parle. Mais le rodo né tout meilleur notre bédi. Quand quelqu'un parle et tu connais la personne, on le reconnaît par sa voix. Et le monou au coup de sou. Il en est de même pour la mort. Coup de sou le béton. La mort aussi a sa voix. Mais le domaine le béon. Et ça attire le vivant. Bah mais on sait béon. Et quand le vivant entend la voix. Béon nous y est le roi. La voix l'appelle disant viens. Mais le roi. Et il vient. Mais on et on dit la personne est morte. Mais la vie engloutit la mort dans le combat. Où est la mort? Où est son aiguillon? Je prophétise sur ta vie. Tel que la vie engloutit la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Sur ton commerce. Sur ton foyer. Sur tes enfants. Je tape ma tête. Et je relâche l'onction sur toi. Je relâche l'onction sur toi. Je relâche l'onction sur toi. Je reçois la délivrance au nom de Jésus. Aïe aïe aïe.